offrant à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Un sacrifice saint et agréable. Que ce sacrifice te coûte et que ce sacrifice t'amène à davantage être connecté au divin trône de notre Seigneur par l'action de son Saint-Esprit qui vient nous convaincre de toutes choses. Ce Saint-Esprit qui est au-devant de nous, ce Saint-Esprit qui sait se mouvoir, ce Saint-Esprit qui sait fortifier et rassurer nos âmes. Ce Saint-Esprit qui vient apprendre toutes les choses cachées. Ce Saint-Esprit qui vient te donner les choses du ciel, les choses d'en haut. Bien-aimé, en ce matin, j'ai cette question à te poser. Aspires-tu réellement aux choses de Dieu? Aspires-tu réellement aux délices du ciel? Aspires-tu réellement à être dans la félicité de notre Seigneur? Aspires-tu à être réellement dans son champ? Bien-aimé, que tu invites ton ange gardien de là où tu es, que tu invites ton saint ou ta sainte patronne. Demande-leur de te porter assistance. Demande-leur de t'aider à donner ce sacrifice d'action de grâce à ton Seigneur. Que ce sacrifice lui soit agréable, non pas pour réjouir le cœur de l'homme, mais pour réjouir le cœur de notre Seigneur. Que ce sacrifice que tu poseras t'amène à réellement être connecté au trône de notre Seigneur. Que ce sacrifice réellement t'amène à demeurer dans la splendeur qu'il est, dans la vérité tout entière qu'il est. Bien-aimé, que le sacrifice que tu dois poser te coûte, même si cela doit te faire mal, que ce sacrifice te coûte. Car en ce matin, il te dit ceci, ne recherche pas l'approbation de l'homme, mais cherche plutôt mon approbation à moi. Cherche plutôt mes grâces. Cherche plutôt ce qui me glorifie, qui glorifie ton Seigneur, mais pas qui glorifie l'homme. Bien-aimé, en ce matin, où te positionnes-tu? Où te mets-tu dans le champ de Dieu? Quel est ce sacrifice que tu as envie de poser en ce matin qui doit te coûter? Le Saint-Esprit est là pour te donner courage. Le Saint-Esprit est là pour te fortifier. Laisse-toi tout simplement aller. Laisse-toi tout simplement guider par lui. Il vient t'inonder entièrement de la tête jusqu'aux pieds. Inonder l'atmosphère et l'environnement des lieux dans lesquels tu te trouves. Il vient inonder et remplir l'espace de ta tente. Il vient tout simplement te faire du bien en ce jour. Il vient tout simplement te ramener aux choses essentielles. Il vient en ce matin te rappeler le coût du sacrifice à payer.
grâce, Esprit de Dieu, inonde-moi. Descends ta grâce, Esprit de Dieu, inonde-moi. Descends ta gloire, Esprit de Dieu, inonde-moi. Descends ta gloire, Esprit de Dieu, inonde-moi. Descends ton feu, Esprit de Dieu, inonde-moi. 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 Descends ta grâce, Esprit de Dieu, inonde-moi. Descends ta grâce, Esprit de Dieu, inonde-moi. Descends ta gloire, Esprit de Dieu, inonde-moi. Descends ta gloire, Esprit de Dieu, inonde-moi. Paraclet de Dieu, viens. Toi la Shekinah de Dieu, viens. Toi le feu divin, le feu dévorant, viens. Viens inonder nos vies, viens inonder nos âmes. Viens inonder nos familles, viens inonder nos foyers. Viens inonder nos communautés, viens inonder notre église. Viens inonder tout simplement nos vies, Paraclet de Dieu. Nous avons tant besoin de toi, Paraclet de Dieu. Non pas dans le sensationnel, non pas dans le paraît, non pas dans l'émotion, mais au-delà de toute chose, Saint-Esprit. Que tu viennes nous remplir, nous inonder de toi, nous inonder de ta présence, Paraclet de Dieu. Viens nous réapprendre à poser le vrai sacrifice qui plaît à Dieu. Ce sacrifice-là qui nous coûte. Ce sacrifice-là qui nous donnera d'être davantage connectés au divin trône, d'être connectés aux choses du ciel, aux délices d'en haut. De la même façon que nos pères de la foi ont bénéficié de tous ces délices-là, nous voulons à leur suite bénéficier de cela. Alors apprends-nous à poser un sacrifice qui nous coûte. Un sacrifice d'action de grâce. Et mon âme en ce matin est dans l'allégresse de ta présence, Saint-Esprit. Mon âme en ce matin se réjouit de ton feu qui vient nous embraser, non pas pour brûler, mais pour faire du bien à nos âmes, pour faire du bien à nos familles, à nos foyers. Ton saint, ton feu, ton divin feu qui nous entoure. Ô Saint-Esprit, toi qui mérites adoration et louange que le Père et le Fils. Nous t'adorons, nous te louons ce matin, nous te magnifions, nous te célébrons, Paraclet de Dieu. Reçois l'action de grâce de nos cœurs. Reçois l'action de grâce de nos vies. Entends l'action de grâce d'une âme qui crie à toi. Entends l'action de grâce d'une âme qui soupire à toi. Entends l'action de grâce de cette âme qui a tant soif de toi. Ô Paraclet de Dieu. Maman Marie, toi l'épouse du Saint-Esprit. Par ton intercession, donne-nous d'être réellement inondés de lui. D'être inondés de sa présence. Afin de pouvoir faire toutes choses orientées et guidées par lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À toi, porteur de grâce, je te souhaite vraiment de demeurer dans cet élan d'action de grâce en ce matin et en cette journée et tout au long des jours à venir. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.